Ah, bonjour à tous, c'est Matt29 et donc on se retrouve ce matin pour Farming Simulator 15, toujours sur la map Old Season 15 version 2.01 ou 2.1 ou 2.01 je crois. Donc c'est parti. Alors du coup, je vais lancer ici la classe avec celui-ci en auto et en mode cercle, toujours à gauche. Et c'est parti. Ok, pour ensuite. Alors, coup, où il est celui-là? Bah, je sais que c'est chiant de courir, alors. Hop. Non, c'est le 2, non? Ouais. Alors, ceci. Normalement, c'est 330. Oh. Manuel. Casier. Non. Action. Non, on va attendre qu'il... Au pire, il va se vider. Bah oui, il est parti sur le 10, donc il va se vider. Alors ensuite, celle-ci, donc c'est pour aller vider. Et celle-ci, normalement j'ai fait une course. Celle du champ 29. J'espère qu'il va se prendre d'arbres. Donc ici, par contre, la moissonneuse, c'est la case. Et donc la petite case qui doit normalement est juste ici. D'accord, 130 c'est vidé. Hop. Ça va être chaud. Alors, 5. Vas-y pour voir. Je crois que je vais faire moi-même. Ce sera bien plus pratique. Hop là. Ah. Mais non, comme ça. Il n'y a vraiment rien au niveau du colza, hein. Ça donne rien. Hein. C'est dommage. L'intérieur peut-être? Pourquoi pas? Donc le petit en haut, c'est par rapport. Ça c'est le seul mode, mais bon. Hop. Bon là, je peux peut-être la lancer quand même. Voilà. Du coup, je ne gère plus que celui-là. Celui-ci est en attente, tout simplement. Que la machine soit pleine. Donc pour l'instant la lection est à 45. Ce que je vais faire c'est aller la choper parce que là sinon ça passera maintenant. Du coup donc là je fais blé, après le champ de colza, après normalement il n'y a plus rien. Je vais voir ici dans la vue sur carte. Il reste donc en colza, il reste plus que... Hein? C'est pas possible. Ouais, il a merdé. Donc du coup, attendez qu'on regarde. Il reste plus que le 29.
En colza. Le 29. Après en blé, il reste le 33, le 23, le 2, le 19. Après en orge, il reste le 10, le 26, le 28 et le 4. Et après, donc on essaiera de faire le maïs. Donc en fait, ce que je vais faire avec la Alexion, parce qu'avec la Alexion j'ai la coupe à maïs, on essaiera de faire le 24, 18, 6 qui sont en maïs, mais en maïs fané, pour voir. Parce qu'avec le seul mode qu'on a, j'ai essayé hein, d'activer le mode non fainaison et ça fane quand même. J'adore la texture avec le shop mode. Le shop est trop. Hop. Voilà, donc tranquillement, il va faire son petit une marche arrière tranquille. Et il repart. Je sais pas s'il y a une autre moissonneuse comme ça qui existe en multifruit du moins. Parce que cette map est multi-fruits, il y a de la luzerne donc. Après voilà, ce sera intéressant d'avoir. Bah, j'en ai une, hein, la case rouge là-bas, elle est multi-fruits sur notre champ. Dans l'attente, celui-ci aussi. Hein? Ah oui, je sais, c'est à cause d'un bot que j'ai. Pourquoi elle s'est arrêtée? Hein, elle est pas possible. T'as même pas fini ton boulot. Ou alors elle s'est bloquée, voilà, et puis du coup elle m'a... Ouais, ça en fait, elle s'est bloquée surtout. Allez, on repart. Non mais, dis donc. Allez go, on y va. On va tenir à vue 1%, super. Mais en fait là, c'est pas du tout kiff. Mais c'est dommage. Alors, est-ce que ça joue vraiment avec le seul mode? À mon avis, oui. Vu que j'ai le seul mode. Le mode pour avoir le. En fait, la gestion du sol, quoi. Donc là, on voit par exemple que le sol a un trop fort pH. Donc, du coup, c'est pas bon. L'humidité est à 71%, donc c'est pas bon non plus. Du coup, au niveau productivité, on est à quasiment zéro, quoi. Alors, les moutons, c'est pas les moutons qu'on peut avoir, qu'on peut acheter, c'est des moutons qui sont là sur la map, mais c'est en fait avec le mode. C'est quoi comme mode déjà? C'est le mode Trusty Chips ou Chips Trusty de Maru et en fait ça permet d'avoir des moutons et des... Mais bon. Oh non, laisse tomber. Il est en plein sur mon champ lui. Je crois que j'ai enlevé le mode surtout. J'ai tout oublié d'enlever le mode. Parce que là, il y a un mouton en plein milieu de mon champ. On va le kickser dessus. C'est quoi? Me dis pas qu'elle a pas de klaxon, celle-là. Bon, elle a pas de klaxon, super.
Non, parce qu'en fait, ceux-là, on peut les tendre. Mais bon, il n'y a pas de mouton sur cette carte, donc ça sert à rien. On a fini ce champ. Hop là. Ok. Bon, on va laisser finir tranquillement. Ah, il me suit partout. Non, t'es sérieux? Non. On va te faire arrêter de me... Je le virais de là, oui. Et tout, mais la merde. Ouais, bon, ça va, bon, j'ai compris. Va dormir. Merde, c'est quoi déjà le truc? Oh. Alors, ceux-là, on peut les tondre. Hop là. Pour qu'ils mangent de l'herbe et puis tout simplement qu'ils... Là, t'as l'air encore terminé. Super. Super. T'as pas terminé, mais bon, c'est pas grave. Je vais être obligé encore de refaire moi-même. Donc celui-ci, une fois qu'il a terminé, on va le mettre sur le champ. Oh purée! Oh la merde, c'est bon. Mais... au pire, j'ai fini moi-même. Vu ce qui reste... Vu ce qu'il reste, autant finir soi-même. Et puis après, donc on passe. Du coup, ce que je vais faire, c'est qu'on va vider le colza de la moissonneuse, le mettre dans la remorque et faire vider la remorque. Je crois que j'ai enlevé le mode, parce que là ça commence à me pomper l'air là, qu'il y ait des moutons partout. En fait partout où je vais, à chaque fois il y a des moutons qui poussent, qui arrivent. Voilà, donc ça c'est terminé. Du coup ce qu'on va faire... Tout simplement... non. Non. Je vais mettre ailleurs. Alors ici, on va ouvrir tout simplement la vis. Hop. Et donc on va appeler tout simplement notre cher camarade pour vider la remorque, pour vider la machine. Hop là.
Allez, c'est bon. Bon, et le mouton de Panurge, là, il nous fait quoi, là? Il nous emmerde. Ah, il a eu peur. Bah ouais, mais fallait pas rester là, mon gars. C'est tout? Bon, d'accord. Dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer maintenant. Attends. Bah, il s'en fout en fait. Ok, bon. En fait, il est non collision. Par contre, dès que je vais foncer sur lui, vu que je suis dedans, il va courir. Allez, fais la course. Non, je plaisante. J'arrête. Arrête ton charme. Arrête ton charme. Bon. Là, je dois être bien, non? Non, je sais pas. Bon, bah écoute. Je sais pas du tout quand. Elle est où celle-là? Normalement là, là. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de caméras que ça. Je vais se mettre en vue intérieure, en vue extérieure, à part ça. Hop là, ok. Il va venir me voir, mais moi je vais pas. Je vais juste aller. On va aller, on va le faire, on va le faire peur. Et regarde, regarde celui-là, il est pas mal dans son petit champ là. Bon, du coup. Colza c'est fait. Donc si colza c'est fait, je vais entamer. Colza normalement c'est fini. Ça c'est bon. Celui-là c'est bon. Le colza il y en avait où? Là. Ouais mais là en fait mais c'est bon. 1, 2, 3. Ah non il y avait celui-ci. Bon, bref, je les ai finis. Donc, je vais entamer le 28. Comme ça, ce sera fait. Tout ce côté-là sera fait. À la limite, ce que je peux faire. Là, par contre, normalement, il y aura peut-être plus de. Comment on appelle ça? De machin de rendement. Ah et là t'as l'attend. Attendez, je vais juste mettre ici au niveau du champ. Je vais emprunter le champ de d'à côté. Bon. J'avais oublié que cette machine pour la vider. Ah non, elle s'est vidée toute seule. Donc c'est à dire qu'au bout d'un l'automatique il se dit je la vide. Puisque avec le course spell. Ou alors avec l'automatique. Bon, tant mieux, écoutez. L'autre il revient. Donc ce que je vais faire, c'est on va du coup. Non. Oh non, c'est pas vrai. Putain, c'est chiant ce mode. Moi, je vais l'enlever. C'est Trusty Ship ou un truc comme ça, mais c'est chiant. Allez. Merci.
Et donc... Ça. Ok. Et par contre, on va replier notre coupe. Non, la déplier du moins. Là par contre, ça va se chercher. Ça va être chiant. Ce que je vais faire, c'est que je vais louer quand même. Alors je vais finir de louer. Le 29, on va l'arrêter. Il est où? Le 29. Et à la place, je vais prendre le 28. Alors. de toute manière, je vais le faire moi-même. Pour commencer. Après. Voilà. Du coup, au niveau des roms, je vais préparer celle-ci. L'autre est en train de finir tranquillement. Par contre, celui-ci. Ouais, faut que je mette là-bas. Sur l'autre champ. Ok. Quand j'aurai acheté ces champs, après on verra pour la suite comment on fera. Ici, on va. Il s'est pas vidé. Chier, tiens. Allez, on va se mettre sur ce champ, tant pis. On n'aura qu'à demander au propriétaire hein, si on peut. Je vois qu'il n'y a rien de se mettre dessus. Allez, c'est parti. Hop là. Par contre, faudra pas que j'oublie de le faire vider. Pas tout de suite parce que sinon ça va faire mal. Donc là, pour l'instant, je fais de l'orge avec celle-ci. Et une fois que j'aurai terminé avec celle-ci, je la rendrai. Et on finira par... Ou alors je ferai les champs de blé en plus, comme l'autre. Et puis dès que l'autre a fini, par contre, je la mets sur les champs de maïs pour voir. Et après, on verra si oui ou non. Ça se récolte ou pas du tout.
Hop, donc on revient du coup par là. Alors se promener dans la ferme, c'est horrible. À la limite, ce que je peux faire, se mettre ici en petit, ou du moins le fermer et le réouvrir dès que j'ai fini la course. Ok. Et donc je reviens par là. J'aurais pu prendre un deuxième transborder aussi. Je pourrais, mais la flemme. Du coup, ici, on fait du coup la benne. Ben, champ 28, pouf, c'est fait. Ok, donc je démarre. Et on va attendre tout simplement. Ah, c'est bleu, quoi. Quoi? Il y a un mouton. Oh ta gueule, purée, il est là. Bon, qu'est-ce qu'il va celle-ci? Elle s'est prise le pied dans un arbre. Ah, il arrête pas de me suivre. Hein. Ça, il fait chier lui. Et c'est le même depuis tout à l'heure en fait, hein. Il y en a qu'un. Mais... Mais tu vas arrêter de me suivre? Ça y est, là où je vais quoi. Bon. Ok, c'est bon. Non, là c'est juste le premier tour. Hein. T'as eu peur, hein. En fait, le champ est tellement mal un niveau de rendement tellement mauvais que qu'on n'a qu'à 3% de la ben, qu'on est qu'à 3% de la trémie. C'est super. Donc du coup, ben, on va se retrouver la semaine prochaine pour Farming 15, cet après-midi pour Farming 16, toujours sur PS Vita, ben, du moins sur Farming 16 PS Vita. D'ici là, donc moi j'aurais rien fait parce que là j'ai tout fait toutes les courses. Donc on se dit à la prochaine. N'oubliez pas les commentaires, les pouces bleus et bien sûr de vous abonner. On se retrouve cet après-midi pour Farming 16. Allez, à tout à l'heure.